Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal magazine au sommaire de cette édition. L'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par le chef de l'État Kisangani. Et puis dans ce journal, vous suivrez un dossier sur les avancées dans la lutte contre les cancers des seins. C'est tout pour les titres. Tout de suite, l'actualité. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'aéroport international de Bangoka, un aéroport complètement rénové. La présentation de cet aéroport avec Giscard Koussema et Fils Matondo depuis la ville de Kisangani. Le président de l'Assemblée provinciale, monsieur le gouverneur de la Tshopo, le conseil d'administration de la RVA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZBC. Et voilà, le président de la République va procéder jusqu'à Koussema à la coupure du ruban symbolique. Tout un symbole, s'il faut qu'on se répète ainsi, c'est historique, un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, l'a si bien dit. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne plusieurs sites aéroportuaires. Jusqu'à Koussema. En coupant ces rubans symboliques, le président de la République vient ainsi de rendre opérationnel l'aéroport international de Kisangani-Bangoka. C'est une fierté pour le directeur général de la régie des voies aériennes et l'ensemble de l'équipe. Ainsi, ces joyaux s'inscrivent dans les cadres de ce vaste programme qu'a bien décrit le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour essayer de remoderniser toutes les infrastructures aéroportuaires. Et là, le chef de l'État, comme vous le voyez en image devant ses engins agricoles, pour procéder officiellement à la remise, et la province de la Tshopo a son potentiel énorme dans le domaine va bénéficier de ces engins. Et là, ce sont les responsables, notamment le gouverneur de province qui est là pour ces engins. Le président de la République avait fait une promesse lors de la campagne électorale. Le gouverneur l'a reconnu et aujourd'hui, c'est la matérialisation de toutes ces promesses au même moment. 60 véhicules au total de marque Lanterre tout terrain. Ces véhicules que le président de la République est en train de remettre en ce moment au premier ministre, ministre de l'Intérieur, lui à son le remettre au patron de la police, numéro 1 de la police, inspecteur des différentes exactement, des membres. On sent là la présence de l'inspecteur général de la police, le numéro 1 de la police, lui qui reçoit et qui devrait les distribuer au niveau de 4 points. La répartition a déjà été faite par le chef de l'État. Ce véhicule par province. Pourquoi il y en a 40 pour forcer le travail de la police nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et là, non seulement que le président de la République donne, mais il donne des instructions également pour la bonne utilisation de ces moyens de locomotion. Les bénéficiaires sont donc connus et déterminés par le président de la République. Et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, l'a répercuté auprès de bénéficiaires directs. Donc, 63 véhicules au total, dont 40 réservés à la police nationale. Donc chaque province va reçoit en ce moment 10 véhicules. Également que le président Vital Kamerhe représente l'Assemblée parlementaire francophone à la deuxième Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines à Accra, au Ghana. Le professeur Vital Kamerhe sensibilise le pays africain sur la paix. Images et commentaires. Il se tient à Accra, Ghana, du 26 au 27 octobre 2024, la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL en sigle, sous la présidence de l'honorable Alban Bagbin, président du Parlement du Ghana, en sa qualité du président d'exercice de la COSPAL. Pour cette deuxième assemblée générale, la COSPAL a convié les parlementaires francophones à être son invité d'honneur, désigné par l'honorable Ian Etang, de l'Assemblée nationale du Cameroun et président en exercice de l'APEF pour représenter cette institution assise. L'Assemblée nationale de la
République démocratique du Congo. Le professeur Vital Kamerhe, membre du bureau de l'APEF, y compte une délégation du secrétaire général Damien Kassola, du secrétaire chargé pour diplomatique Benoît Onale, ainsi que de quelques délégués nationaux congolais. Cette mission s'inscrit dans le cadre du plaidoyer pour l'adhésion du Parlement à l'Assemblée parlementaire à l'adhésion de la République du Ghana à l'Organisation internationale de la francophonie lors du 19e sommet tenu du 4 au 5 octobre 2024 à Paris. Dans le cadre de sa nouvelle diplomatie parlementaire, l'APF accorde une attention particulière aux crises dans l'espace francophone. En tant que représentant du peuple, les parlementaires peuvent effectivement jouer un rôle clé dans la prévention des conflits et la facilitation des processus de paix. Le professeur Vital Kamerhe, représentant l'Assemblée parlementaire francophone, a développé son discours autour des quatre axes majeurs, à savoir l'unité des pays africains pour le bien-être de ses peuples, la mutualisation des forces pour le développement de l'Afrique, la consolidation de la diplomatie parlementaire et de la coopération entre pays africains, ainsi que l'éradication des conflits et de la guerre sur les continents. Au moment où je prends la parole devant vous, mon pays vit un véritable désastre humanitaire dans sa partie est. Dans la quasi-indifférence des pays frères d'Afrique et du reste du monde, il est indéniable que pacifier c'est donner un coup d'accélérateur au développement d'Afrique et au recul de la pauvreté. Peu avant le but de ces assises, Sir Vital Kamerhe, en compagnie du secrétaire général de la francophonie, Damien Kalam, a eu un tête-à-tête avec le président du Parlement du Ghana, l'honorable Alban Bin, accompagné de son premier vice-président et de son prédécesseur. Cette deuxième assemblée générale se tient à Accra pour permettre à cette organisation de se donner des organes constituants, notamment l'élection et installation des membres du bureau, la mise en place du secrétariat général ainsi que l'adoption de la constitution. C'est le vendredi dernier. Le ministre des Finances séjourne à Washington dans le cadre des assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Dodo Fambali Koundé a mis en lumière les différentes opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Un reportage de Sylvie Moimbo. Dans le cadre des assemblées annuelles de printemps 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé Libotai, a pris part à la conférence des Road to Investment, Peace and Security in DRC, organisée par l'Africa Center du Atlantic Council. En la table de son propos, le ministre a insisté sur la paix et l'unité de l'Afrique comme levier essentiel pour booster la croissance régionale, affirmant que la République démocratique du Congo est debout et avance résolument. Lors de cet événement, l'argentier de la République a rectifié devant les partenaires internationaux la perception souvent limitée de la République démocratique du Congo aux crises économiques et aux conflits, mettant en avant les progrès économiques significatifs réalisés par le pays. Il a également rappelé les conflits imposés par le Rwanda avec un supplétif du groupe M23 venu de mobiliser les efforts du gouvernement pour défendre l'intégrité territoriale. Sur ce plan économique, le ministre Doudou Fouambali Koundé Libotai a souligné la chef d'un programme historique avec les Fonds monétaires internationaux, une première pour la République démocratique du Congo. Il a mentionné la réunion de l'inflation à 15% une prévision initiale de 23% pour 2024, ainsi qu'une réduction à la hausse de la croissance économique désormais à 6%. Le ministre des Finances a appelé à diversifier l'économie en investissant dans les infrastructures, l'agriculture, l'électricité, la santé et l'éducation. Dans les mines, l'exploration du manganèse en République démocratique du Congo, un sujet au centre d'échange entre le vice-ministre des mines Godard Motemona et la délégation des Asia Minérales. De précisions dans ce reportage. Mardi 22 octobre 2024, le vice-ministre des mines Godard Motemona a co-présidé la 130e réunion du comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIRDC.
Cette réunion, qui a rassemblé des représentants des institutions publiques, des entreprises extractives, les participants ont fait le point sur la mise en œuvre de projets de litiers, la gestion des ressources naturelles du pays. Le vice-ministre a réaffirmé l'engagement de la RDC à maintenir des standards élevés de transparence sous la direction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs sujets essentiels ont été abordés, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale de gestion des minéraux stratégiques, incluant les cobalt et les germanium. La RDC continue de se positionner comme un acteur clé dans la transition énergétique mondiale grâce à ses ressources. Les discussions ont également porté sur l'avenant numéro 5 à la Convention commune en mettant l'accent sur les conclusions et recommandations issues des travaux de la commission de renégociation. Un atelier est vu prochainement pour approfondir cela. Le lendemain, le vice-ministre a reçu une délégation d'Asia Minerals Limited, conduite par son président Eric Chung. Cette société internationale spécialisée dans l'exploitation du manganèse a exprimé un intérêt particulier pour des investissements en RDC. Eric Chung a salué la qualité de discussion, soulignant l'ouverture et l'engagement des autorités engagées les meilleures pratiques minières. L'exploitation manganèse et à l'étude qui pourrait renforcer la position de la RDC dans la chaîne mondiale des métaux stratégiques. Aussi, en séjour à Kisangani, dans la province de la Tshopo, le ministre d'État des EP a inspecté la RN4 tronçon Kisangani, Komanda Beni, en pleine réhabilitation. Alexis Guizaro s'est dit satisfait de l'avancement des travaux, nous dit Erudis Kito. Il y a deux mois, les travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 4 ont lancé dans son tronçon compris entre Kisangani, Komanda et Beni. À ce jour, le travaux avance bien. Constat fait par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, après une visite d'inspection de cette route longue de près de 800 km. D'ici le mois de décembre, il y aura une première planche de sel qui va être réalisée ici, à peu près 200 mètres. On va asphalter pour qu'on puisse voir un peu comment être le comportement et apporter toutes les modifications qu'il faut. Donc ça voudrait dire que le projet est la bonne voie. Quant à l'acheminement des engins, Alexis Guissaro rassure. L'autre grand défi est le premier acheminement des engins, des équipements sur le terrain. Nous nous verrons avec l'entreprise, effectivement, ce côté-là, il n'y aura pas de problème. D'ores et déjà, il y a une partie d'aujourd'hui dans le fouillage, une partie de Kinshasa, et Kisangani. D'autres sont arrivés déjà entendu derrière ici. Tout ça pour compléter la flotte d'argent et d'équipements qui vont travailler sur le projet. Donc, tout ce qui peut constituer des défis, nous sommes là pour nous assurer que les dispositions sont prises afin d'y remédier. Le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics promet un suivi régulier à ce projet routier qui entre dans le cadre du partenariat public-privé. Le directeur général adjoint de la RTMC, José Adolphe Voto, a pris part au forum des jeunes leaders congolais sur les défis à relever par la jeunesse pour le Congo de demain. Un reportage de Yvette Mankoutima sur les images de Maurice Mbewa. La thématique est explicite, les défis à relever par la jeunesse pour le Congo de demain. Le forum des jeunes leaders congolais a réuni la jeunesse congolaise de toutes tendances confondues autour d'éminents orateurs dont la plupart occupent de hautes fonctions en République démocratique du Congo. Des sujets pertinents ont été au centre de cette journée organisée au Salon Rouge des Affaires étrangères. Ce forum a connu la participation du professeur José Adolphe Voto, directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise, qui s'est appesanti sur le système éducatif congolais. Si vous êtes un jeune leader, mettez du sérieux dans votre formation. C'est ça qui va faire la différence. Le monde est de deux catégories de gens. Les leaders et la masse. Et le leader doit être plus exigeant vis-à-vis de lui-même. Mais si vous voulez être leader, il faut vous former. Vous êtes dans cette université-là où on dit qu'il faut d'abord passer des classes, avoir le diplôme, le reste on va voir après. Si vous n'êtes pas formé, vous ne serez pas un leader. Donc il faut se former. Ce pays, c'est une grande opportunité pour
ne fouillez pas ce pays. S'il vous plaît. Ce pays n'est pas une catastrophe. Ce pays est une opportunité pour vous de démontrer que vous êtes un leader. Dans ce pays, tout peut arriver du jour au lendemain. Pourvu que tu te formes, pour que tu aies une vision pour ce pays, pourvu que tu travailles pour la masse. D'autres intervenants ont abordé les différents problèmes qui détruisent la jeunesse congolaise et ont proposé quelques solutions afin de ramener la jeunesse à lutter contre les antivaleurs, car la jeunesse est l'avenir de demain. La scène du président a été marquée par cette rencontre du chef d'État avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice. Le président de la RDC a effectué une visite de 25 années et a déployé d'intenses activités, une sélection de Pierre Kibambe Tomoy Issa. Kisangani s'est mobilisé le mercredi 23 août pour réaliser un accueil chaleureux au président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilo. Après avoir salué la notabilité locale avec en tête le gouverneur de province, Paulin Lendengo. Le show de l'État a eu un bain de foule de forces vives massées autour de l'aéroport national de Bangoka. Ambiance festive également à la place de la Poste au centre-ville. S'exprimant en Lingala devant ses compatriotes, le président de la République a vivement remercié la population de Kisangani de son accueil délirant et de la confiance lui témoignée à l'élection présidentielle de décembre 2023. Face à la guerre d'agression dont est victime la RDC dans la partie Est du territoire national, le chef de l'État a appelé les Boyomèzes et Boyomés à la résistance. Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous. Résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des six jours, leur a recommandé le chef de l'État. À la question des révisions constitutionnelles, le président de la République a indiqué qu'il est bon que notre élite réfléchisse à cette constitution qui contient des faiblesses. Parmi les motivations de cette révision de la Constitution, le chef de l'État a cité la lenteur dans la mise en place des élections après les élections et la vulnérabilité du mandat des gouverneurs de province. Comme suprême de la RDC et de la police, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a aussi présidé à une réunion du Conseil supérieur de l'évaluation de la situation sécuritaire sur les temps électoraux, particulièrement dans la Grande Orientale, était à l'ordre du jour de cette séance de travail de près de Kinshasa, la réunion africaine, l'objectif Tshilombo a eu des entretiens avec l'Italie, Albert Petrelli, venu le faire au terme de 6 mois de 2018 en RDC. Les relations bilatérales d'opération Kinshasa et Europe ont évoqué au cours des échanges. Ils doivent investir dans l'éducation, dans l'éducation professionnelle, afin de lui donner les moyens de s'épanouir, a dit notamment le diplomate italien. Toujours à la situation africaine, le président de la République, magistrature, a reçu le ministre de la Justice, Constant Mouta, et les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature. La rencontre de plus de 3 heures avec les animateurs et auteurs de la justice en RDC a permis de passer en revue les défis élevé dans ce secteur et d'évaluer les réformes pour l'application. Les annuaires politiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État ont été présentés au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, vice-premier ministre de la fonction publique, Pierre Liaou. Cette action entre dans le cadre de la maîtrise effective et la masse qui comprend un multiple enjeu économique et social en vue de mettre en place une administration publique au rendez-vous du rendement de l'efficacité et du résultat, a indiqué le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Plus
Plusieurs sujets d'actualité ont défrayé la chronique au cours de la semaine qui s'achève. Le président de l'Assemblée nationale a eu l'honneur de recevoir une délégation syndicale des professionnels de santé qui sont venus plaider pour l'amélioration de leur rémunération dans le budget 2025 et puis l'acheminement des tracteurs et autres intranets dans la province de la Tchopo pour renforcer les activités agricoles, le tout dans cette sélection de Malumbela. Dans l'actualité de la semaine qui s'achève, on peut noter l'ambition affichée par le vice-premier ministre de la Défense de développer l'industrie militaire en RDC. Objectif, réduire les exportations des munitions. Ce projet, a-t-il souligné, entend s'appuyer sur l'expertise des Afridex spécialisée dans la fabrication d'explosifs et armes légères. Des mesures draconiennes pour réduire sensiblement les naufrages. Des équipes mixtes, ministère des Transports et Voies des Communications et Forces Navales ont été déployées cette semaine à Maluku pour traquer les réfracteurs aux règles de navigation. Face au fil des véhicules dans les stations-service, le vice-premier ministre de l'économie nationale rassure qu'il n'y a pas de pénurie des produits pétroliers. Pour le professeur Moukoko Samba, les stocks en carburant est suffisant pour desservir Kinshasa et les provinces. Il a annoncé aux pétroliers que le gouvernement congolais a débloqué l'enveloppe nécessaire pour couvrir les manques à gagner. C'était en début de semaine au cours d'une audience. Le médecin plaide pour l'amélioration de leur rémunération. Cette semaine, ils ont été reçus au bureau de l'Assemblée nationale pour des échanges à ce sujet. Pendant ces temps, le gouvernement congolais vient de résilier les contrats signés avec une société indienne qui assurait la gestion de l'hôpital du Saint-Conteneur. Désormais, cet hôpital appartient totalement à l'État congolais. Une nouvelle accueillie avec joie par la population congolaise. Les magistrats sont pris en charge par le régime de sécurité sociale pour une retraite honorable. L'opération de paiement des prestations au premier magistrat a eu lieu cette semaine. En semaine également, la Cour des comptes de la RDC prend la présidence tournante du Collège des commissaires aux comptes de la SADC. La RDC succède ainsi au Botswana qui lui a cédé les bâtons de commandement. Parlons agriculture avec la relance des cabanes cacaoyers de Bengamisa situées au nord de la ville de Kisangani. En visite de prospection sur ce site de 5000 hectares, le ministre de l'Agriculture a doté les agriculteurs des intrants agricoles et tracteurs pour la reprise de la production de la fève de cacao et autres produits. Le renforcement des capacités des techniciens des cabanes est aussi à l'ordre du jour. À Kisangani toujours, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics et les directeurs des cabinets du chef de l'État ont visité l'usine de production des panneaux de sel polystyrène. Ces panneaux sont indispensables dans la construction rapide, notamment des logements sociaux. Ces projets sino-congolais va sans nul doute résoudre les déficits criants des logements décents en RDC. À Kisangani, les ministres des médias et communications étaient à la RTNC Tchopo. Au menu de ces échanges, avec les agents et cadres, la redevance et autres besoins urgents à combler. À Kinshasa, un militaire de la garde républicaine doit répondre de ses actes pour agression physique d'une femme à l'aéroport international d'Ndjili. Son procès a été ouvert au tribunal militaire des garnisons d'Ndjili. Et pour terminer, un imposteur politique démasqué à la chambre basse du Parlement. Il s'agit de Israël Lorbongo, un vrai faux député et sénateur pris la main dans les sacs après avoir presté voire siégé en commission à l'insu de tous. Le dossier de ce dimanche concerne les cancers du sein, cette maladie qui touche plus les femmes. Son diagnostic est plus que nécessaire. En République démocratique du Congo, il y a des avancées significatives dans la prise en charge des malades. C'est un dossier de Patti Tondwangu, Malumbela et Jean-Paul Mouaï. Diagnostiqué à temps, les cancers du sein peuvent être soignés et guéris en République démocratique du Congo. Les avancées dans la prise en charge des malades sont observées depuis la mise en place le 7 novembre 2020 du Centre national de lutte contre les cancers de tout genre, avec comme mission générale réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer en République démocratique du Congo. Affirmation du professeur docteur Bienvenue Leboise. Les avancées sont là. Il y a des médicaments qui sont arrivés contre le cancer. Pour la radiothérapie, il y a des cures qui ont été achetées
environ 1000 cures en centre Nganda, mais il y a d'autres qui vont arriver. Et les autres paliers, la chirurgie et le traitement adapté à chaque type vont arriver. Et à Kinshasa, on a 7 centres qui sont en réseau, qui travaillent avec les CNETC. Les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital dont le CHU Renaissance, dont ex-Mamaevo, la clinique d'Aléman, et il y a l'hôpital ASC, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise en Djili. Il y a l'hôpital général militaire Kankokolo, l'hôpital de la police de Kanlofungola et on a ajouté Biamba Mutombo. La lutte contre le cancer du sein passe aussi par la formation d'un personnel qualifié. La lutte contre le cancer est hyper spécialisée, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui soient pointus dans leur micro-spécialité. Qu'est-ce qui est prévu? La collaboration entre l'État et les firmes qui nous accompagnent a prévu que chaque année, qu'il y ait une formation de différentes ressources humaines dans différents domaines. Il y a 2 ans, il n'y avait pas d'oncologue. Au jour d'aujourd'hui, on a 5 oncologues qui sont revenus. Pour maîtriser ces tueurs silencieux, un projet de construction d'un centre moderne est en cours d'exécution en République démocratique du Congo. Le grand verrou, c'est construire des centres d'oncologie, des hôpitaux dédiés dans la prise en charge cancer. Ces centres de cancérologie, aujourd'hui là on est sur un modèle d'avoir 10 grands centres à travers le pays avec un hub ici à Kinshasa. On va concrétiser ça très bientôt. En attendant sa matérialisation, cette province dont Kinshasa, Lokatanga, Nord et Sud Kivu, Tchopo, Congo Central et les Kasai disposent des établissements de soins avec des plateaux techniques acceptables, des prises en charge des cancers et sont approvisionnés en médicaments anticancéreux. Guérie d'un cancer du sein, Madame Karine Kanikia témoigne. Je suis une survivante du cancer du sein. Ce n'était pas une nouvelle facile à digérer. Je me suis rendue à l'étranger pour me faire soigner. Au bout de 6 mois et demi, c'était très difficile de pouvoir continuer le traitement. Je me suis décidée de rentrer à Kinshasa. Arrivée à la clinique Nganda, j'ai été prise en charge, très bien même. J'ai été sous la chimiothérapie et la radiothérapie. Et la chimiothérapie était en partie prise en charge par le gouvernement. Donc tout ce que j'ai eu à dépenser à l'étranger, j'aurais pu l'éviter si j'étais restée à Kinshasa. Psychologiquement forte, la présidente Elas Bel espoir exhorte les femmes qui se battent contre les cancers du sein à ne pas baisser les bras. À toutes ces femmes qui sont actuellement sous chimiothérapie ou encore qui sont en train de traverser des moments difficiles, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Vos enfants ont besoin de vous. Votre famille a besoin de vous, la société a besoin de vous. Oui, le cancer existe. Oui, on peut la considérer comme étant fatale. Mais moi, je vous dirais qu'un cancer diagnostiqué précocement, à 90%, vous avez la chance de guérir. Donc, mesdames, n'ayez pas peur. Allez vous faire dépister en ce mois d'octobre. Le combat contre le cancer du sein doit être l'affaire de tous. D'où l'importance de la sensibilisation. Dans un autre chapitre, sachez que le territoire d'Ilebo vient d'acquérir des engins routiers composés d'une pelle chargeuse, d'un tractopelle et d'un camion ben. C'est pour réhabiliter des routes, des dessertes agricoles et l'assainissement de la voirie urbaine. C'est un reportage de Berthe Moukonkolé. Il est très difficile de conduire en toute quiétude un véhicule ou une moto dans les rues d'Ilebo à cause des troubéants et des bourbiers. C'est ainsi que l'honorable Fotinan Dambo vient de doter le territoire d'Ilebo dans les Kasai des engins composés d'un tractopelle, d'une pelle chargeuse et d'un camion ben. L'élu du peuple a tenu à présenter ses engins acquis sur fonds propres au public rassemblé devant le bâtiment administratif du territoire. Par la même occasion, il a remis officiellement les clés à l'administrateur du territoire, Clément Moir, en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. L'honorable Fotinan Dambo a appelé à toutes les couches sociales à la bonne gestion, non seulement de ses matériels, mais aussi à la bonne gestion du carburant. L'administrateur du territoire, Clément Moir, a remercié les donateurs au nom de toute la population
pour l'intérêt manifesté pour le développement du Lebo. Ces matériels vont servir à la construction et à la réhabilitation des routes des dessertes agricoles ainsi qu'à l'assainissement de la voirie du Lebo. Signalons que la route principale et secondaire de la cité du Lebo sont dans un état de délabrement très avancé. Elles sont devenues pour la plupart d'elles des voies, des passages d'eau quand il pleut, tellement que la cité du Lebo connaît un problème sérieux de manque de canalisation. La population du Lebo a aussi manifesté le sentiment de joie et de reconnaissance pour celui qu'elle appelle affectueusement Kolobilembo. S'en est suivie une cérémonie de bénédiction traditionnelle des Indiens par le grand chef coutumier Lélé Nyimikakwe Mbomo. Juste après, l'honorable Fotina Ndambo s'est entretenu avec les différents responsables de services publics, de l'administrateur du territoire et ses adjoints pour une signature d'une feuille de route d'entente pour l'exécution des travaux de la voirie du Lebo. Place à présent à la rétrospective de la revue de presse que nous propose Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Encore une violation du cessez-le-feu signé 1-23, rapporte 7/7.cd. Ces criminels à la solde du Rwanda se sont emparés de la localité de Kalembe à Walikale, au Nord Kivu, le dimanche 20 octobre 2024. Une occupation de Kalembe de courte durée, note le journal. Les volontaires Wazalendo ont réussi à déloger les 1-23 et à réoccuper cette localité le lundi 21 octobre. La réaction de l'Angola ne s'est pas fait attendre. Selon la référence Plus, le gouvernement angolais dénonce la violation flagrante du cessez-le-feu par le 1-23 à la suite de l'occupation de Kalembe. Paul Kagame, un véritable virus dans les grands lacs, révèle Forum des As. Le sanguino dictateur rwandais fait fi des efforts du médiateur angolais João Lourenço et viole les consignes avec les nouvelles attaques des rebelles du M23 dans la localité de Kalembe. Franck Diongo montre son vrai visage de traître et rejoint le 1-23, annonce le Phare. L'une des grandes gueules de la scène politique congolaise se met ainsi au service du Rwanda. La justice populaire se porte bien à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, constate MediaCongo.net. Trois personnes accusées d'avoir cambriolé un shop de transfert d'argent ont été brûlées vives. Santé, 20 960 personnes ont été vaccinées en RDC contre le Mpox. Actualité.cd cite le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, qui parle de 45% de la cible vaccinée. L'Oja coupé de Dibélé dans le Sankourou avec l'effondrement du pont réunion ces deux entités, note scoop RDC.net. C'est un recul économique pour le Sankourou. Le processus de béatification du roi Baudouin mis à mal par Fridolin Ambongo, en croire ouragan.cd, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a bloqué ce processus au Vatican pour le rôle joué par le roi des Belges dans l'assassinat du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Un défenseur de la révision constitutionnelle, François Robota Masumbuku, fait des propositions approfondies, titre la justice. L'ancien ministre d'État en charge du développement rural persiste et signe. Seule la Bible et le Coran restent humiliables. Fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Prenez rendez-vous à 13h30 avec Eric Kabamba. Merci à l'équipe technique à Ramadan Poké, Joël Piangou, Anno, Alain Sodi, Pécho Mubenga et Ruben Kumbu. Merci à vous et bon dimanche à tous.